Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter? Regardez cette affiche. Dans ce monde, vous êtes un héros. Je me souviens, j'ai mené la Vox, Slate et moi, on a brûlé l'antre des héros. Booker. Je sais plus, j'ai deux souvenirs en Booker, même temps. Revenez, nous allons trouver Daisy Fitzroy. Et on partira d'ici sur la première dame. Allons-y. Ces gens ont besoin de meilleurs héros. Quand tu réfléchis, la seule vraie différence entre Comstock et Fitzroy, ce sont leurs noms. Tenez, gardez ça. Prenez ça. Je ne sais pas si je nous ai emmenés dans un monde où la Vox a ses armes. Si je l'ai créé. Ugh!
voir arriver. Elisabeth. Ils sont morts, Booker. Allez, partons d'ici. On va récupérer notre dirigeable à l'usine. Ce n'est pas de notre ressort, rien de tout ça. Tu as ouvert une porte sur ce monde, et on est entrés. Vous êtes sûr, Booker? Est-ce que je nous ai emmenés dans un monde où Chen-Lin était en vie? Ou est-ce que je l'ai créé? Je vous l'ai dit, j'ai toujours cru que mon pouvoir me servait à donner corps à mes rêves. C'est ce que j'ai fait. Camarade, je viens vous parler à cœur ouvert. Quand vous vous regardez, vous voyez le visage d'une personne. Un être humain. Faites-le sortir! S'ils veulent que je porte, quelqu'un doit descendre ce dirigeable. Quelqu'un, ça veut dire nous? Agitons les foules. Je dois saboter le moteur et détruire ce truc. Merci. Il y a un patrouilleur. Je dois saboter le moteur et détruire ce truc. Je dois saboter le moteur et détruire ce truc. Bon, il faut que je descende ce truc.
Allez, Elisabeth. On va retrouver Daisy dans l'usine. Les portes sont ouvertes. Faites rouler. En avant. Je vais te vider ton sang. Qu'elle viendrait là pour Fink. On doit prendre cet ascenseur et monter. Il doit mener au bureau de Fink. C'est comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, hein? Qui ça? Fitzroy et Comstock. Mais Lynn... Monsieur Lynn... Dieu, je voulais tellement aller à Paris. Je pensais vraiment pas que... Tu n'aurais jamais pu deviner. J'ai joué un rôle dans cette catastrophe. Si vous voulez croire que nos mains sont propres dans cette histoire, libre à vous de le penser, mais... Allô? Fink? Je t'ai vu mourir, Booker. Vu de mes propres yeux. Fitzroy. Écoutez, j'ai trouvé vos armes. Donnez-moi le dirigeable. Voilà pour vous. Presque mort. Tu peux ouvrir ça, Elisabeth. Ah, un jeu d'enfant. Et voilà. Ah!
Ça m'aide beaucoup. Je vais partir. Je le vois. Des munitions. Tenez. Voilà pour vous. Merci. C'est ça, hein? C'est ça votre mouvement, Daisy! C'est ce qui doit être fait. Tu vois, les fondateurs, c'est comme le chien d'encre. Tu as beau faire, il repousse toujours. Pour te débarrasser du chien d'encre, il faut le déraciner complètement. C'est le seul moyen d'être sûr. Elisabeth. Alors je suppose que cette famille. Elisabeth. Oula, oh, ouais, hey, hey, allez. C'est ce que ça fait. Elisabeth. C'est tout ce qu'ils avaient. Écoute. Comment vous faites? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour oublier. Est-ce que vous auriez une méthode miracle pour effacer son passé? On ne peut pas. On apprend à vivre avec. Attention, c'est notre moment de vérité. New York? Ou Paris. Non, 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 oh, merde. Allez, on doit trouver le moyen d'accélérer la cadence. Il doit y avoir une sorte de manette ou d'accélérateur. Tu saurais me dire à quoi ça ressemble? Je ne sais pas. Aide-moi à chercher.
Je te dis que non. Merci. Non, non. Très bien, attends. Comme tu veux. Booker, on doit les arrêter. Non, ça c'est un... Mais Booker, non, je te dis que c'est ça. Non, tu te trompes. Mais si, voyons. Non. Si, non. Si. Reste. Vas-y, toi. Très bien. Arrêtez. Non, arrêtez, bien, vous ne savez voilà. pas ce que vous faites. Ah, nous y voilà. Non. Ça y est, à cause de vous, il va revenir, il va revenir. C'était les bonnes notes. Mais pas le bon instrument. Il ne répond qu'à l'appel des deux. Mais si vous savez chanter pour lui... Il vous emmènera où vous voulez. Qui êtes-vous? Nous sommes où nous devons être. Et devons être où nous sommes. Comme Stock se sert de chansons. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Une qui éloignerait l'oiseau? Mais posez donc la question au maestro. Où est-ce qu'il est? Évidemment. Au moins, le piano est toujours là. Booker. La maison de Comstock. C'est notre point de départ pour le retrouver. Tous ces gens, où vont-ils? Le plus loin possible de la Vox Populi. Celle-là, maintenant! À vos ordres. Tes premiers soins! Prenez, Booker! C'est parfait! Elisabeth, je me demande ce qui attire l'oiseau dans cette chanson. C'est comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours aux anges. Aux anges? Je n'avais que lui. Il m'apportait à manger, de quoi lire. C'était mon ami. Ton ami? Et puis j'ai grandi. Et je l'ai détesté. Parce que c'était mon geôlier. Mais c'est la créature de Comstock, non? Il est comme moi. Regardez un peu. Fitzroy ne vaut pas mieux que Comstock. C'était notre point, c'est ça?
J'ai eu une vision en arrivant ici. Un rêve. C'était New York, mais beaucoup plus vaste que dans la réalité. Tout était en feu. Pourvu que la magie du prophète ne déteigne pas sur vous. L'arbre de la liberté. Ouais. Tradition. Nous ne serons pas réduits au silence. Laissez-moi une minute. Vision, tenez. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure. C'est fait. Je viens de comprendre qui était ce couple. Ils ont... Enfin, elle a inventé la technologie qui permet à la ville de flotter. Les gros ballons? Des particules quantiques. Je l'ai à hauteur fixe dans l'espace-temps. Rien à voir avec les gros ballons, donc? Mais d'après mes livres, ils auraient disparu depuis plusieurs années. Je t'avais dit qu'ils viendraient. Non, je ne crois pas. Ah, eh bien, quoi qu'il en soit, j'en avais l'intention. Mais tu ne l'as pas dit. Non, pas encore. Tu es sûr de toi? Je crois qu'avec eux, il ne faut pas se fier aux apparences. J'allais t'avoir dit qu'ils allaient venir? Non. Futur antérieur? Non, pas de futur antérieur. La grammaire n'a pas encore été inventée. Il aurait fallu qu'elle aurait été. Aurait fallu? Aurait été? Ça ne veut rien dire. Je crois qu'ils veulent nous aider. Je crois qu'ils sont fous alliés. Étrange, non? Quoi donc? Qu'il nous arrive parfois... De finir les phrases de l'autre? Exactement. Le contraire serait étonnant. Comment ils font ça, à votre avis? Je te répondrai dès que j'aurai compris cette histoire de ville flottante. Allez, on est presque chez Comstock. La progéniture du prophète. J'ai trouvé ces cristaux. Des armes de belle facture et toutes sortes de choses mortelles. Tiens, quartier. Exécutez tous ceux qui pourraient nous poser des problèmes. Tous ceux qui portent une arme. Tous ceux qui portent une arme. Marquez les noms. Allez, viens danser. Faut lever la patte, petite. C'est pas l'argent dans tes poches qui t'empêche de danser. On arrose. Vous voulez des cristaux? Il me faut des munitions. Super! Mais rien d'autre pour le moment. Nous ne pourrons plus revenir. Vous voulez voir la librairie avant que nous partions? Tu peux ouvrir ça? C'est un verrou à double cadran. D'après mes livres, Monsieur Tout-le-Monde garde la combinaison à portée de la main. J'espère qu'on est tombé chez lui. Thank you.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans le crochetage et le déchiffrage? Si vous vous retrouvez dans une cage, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je veux bien le croire. Et je ne veux plus jamais qu'on m'enferme. Bon. Elisabeth. Elisabeth, tu... Promettez. Je vais l'arrêter. Non. Vous savez que c'est impossible. Mais s'il me retrouve, je préfère encore... être morte que de retourner là-bas. Ça n'arrivera pas. D'accord. Laissez
trouver des munitions. J'aurais besoin d'aide, là. À la boutique. Ce que tu m'as demandé de faire. Évitons de parler de ça. Est-ce que cette chose t'a fait du mal? Si jamais elle me rattrape, c'est la mort, Monsieur DeWitt. Ça y ressemble, mais je ne vois pas la différence.
C'est parfait. La maison de Comstock est droit devant. Madame Comstock, quel plaisir de vous voir. C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout après votre mort tragique et cruelle, voilà 19 ans. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Vos empreintes n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrant ? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons de trouver sa tombe. Je m'en occupe. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Ses empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous ? Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère ? Vous êtes bien sous clé ? Finalement, nous avons au moins ça en commun, toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Bien. Où est-elle passée ? Tiens le coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi ta mère est un fantôme ? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour alimenter cette machine. Il a ouvert une sorte de faille. Non, non ! J'ai
les cristaux. J'ai l'impression que ta mère ressuscite les morts. Je fais en sorte de vous être gêné, Booker. J'ai trouvé des munitions. Non. Là, celle-là. Je m'en occupe. Je te remercie. J'ai ramassé des cristaux. Qu'elle est ? Vivante ou morte ? Pourquoi toujours de quoi ? Quand la question qui compte est quand ? La seule différence entre le passé et le présent ? C'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous percevions la vraie valeur du temps... Qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de leur lit ? Comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité... La perception s'en compte. C'est une association dangereuse. Regardez ! Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock.
Quel dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir trois réalités. Toutes les trois détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas?